j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un tuto fond. Je vais vous montrer comment faire trois fonds différents. Un fond galaxie, un fond à petit pois et un fond nuage. Donc si la vidéo ne vous intéresse, eh bien ne bougez pas et on est parti pour le tuto. On va commencer par le fond galaxie. Alors j'ai pris une feuille blanche normale, des petites éponges, donc ça c'est les éponges que j'ai récupérées parfois dans certains colis, on a des petites éponges comme ça, sinon des éponges de vaisselle, ça va très bien. Et on va prendre du violet, du blanc, du rose et un peu de noir. Voilà, donc je vais un peu mouiller ma feuille. Donc, voilà, et j'avais un peu de noir, en fait c'est ma deuxième, j'avais déjà fait une page et puis j'ai pas filmé bien sûr, donc il a fallu que je recommence. Donc on va tamponner comme ça. Donc je mets d'abord le violet. Un petit peu l'autre côté. Donc je vais changer de couleur et donc je vais changer d'éponge pour pas que les couleurs se mélangent trop. Donc là je vais mettre un petit peu de rose. Voilà, je fais un peu chevaucher. Donc ça, ce sont des mouvements très difficiles pour moi. Avec ma maladie. Donc, bon, bref, on s'en fiche. Oubliez ce que je viens de dire. Donc voilà, on a terminé le fond. Donc en fait, le secret, c'est de vraiment taper pour que les couleurs se mélangent. Et essayer de mettre le foncé plutôt vers l'extérieur et une zone plus lumineuse vers l'intérieur. Voilà, maintenant nous allons faire les étoiles. Alors pour ça, on va prendre un petit pot et on va mettre... le tube est pas... On va mettre de l'acrylique dedans, blanche, et on va mettre un peu d'eau à l'intérieur. Mon eau est pas propre, c'est super. Et on va remuer le tout.
Je vais aller chercher de l'eau propre, sinon mon blanc va devenir gris. Je reviens tout de suite. Revoilà. Alors, je vous disais, je suis un peu trop près. Enfin, voilà. Prends un petit peu d'eau. Voilà. Ah ! J'en ai fait tomber sur le dessin. La catastrophe. On va remuer. Donc, que la peinture soit assez liquide. Hop. Là, ça me paraît pas mal. On va prendre une brosse à dents. Je pense que vous êtes beaucoup à connaître cette astuce. Et on frotte la brosse à dents sur le bord du verre. Voilà. Et quand vous avez des taches un petit peu plus grandes que les autres, eh bien, vous allez leur tirer des petites étoiles. Sur les gouttes légèrement plus grosses, que voilà ce que ça donne, notre fond galaxie. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas très difficile. Ce qu'il faut, c'est vraiment insister avec l'éponge, remettre un peu de peinture pour que les couleurs se fondent. Voilà, et bien on va passer au fond suivant. Maintenant, un fond à petit pois inratable. Donc, si vous êtes comme moi, qui suis complètement fana des fonds à petits pois, eh bien c'est maintenant. Alors on va prendre comme d'hab une feuille normale. On a besoin d'acrylique dilué et la peinture de votre choix. Donc j'ai pris rouge puisque c'est vraiment mes petits pois favoris, rouge à pois blanc. On va mettre un peu de peinture sur notre feuille et on va d'abord peindre le fond. On va prendre de l'acrylique qu'on a dilué avec un peu d'eau. Voilà. Il faut que quand vous soulevez voilà votre petit bâton, il faut qu'il se forme une petite goutte mince. Qui se forme une petite goutte, mais pas trop rapidement. Vous voyez que ça met un petit peu de temps à se former. Parce que ça, c'est le secret des petits pois réussis, mes amis. Voilà. Donc, admettons que la peinture soit sèche. Voilà comment vous allez procéder. Vous allez prendre une règle, n'est-ce pas ? La poser à côté de votre dessin et vous allez faire un petit pois tous les 2 cm par exemple ou tous les 1 cm. Donc soit avec une baguette chinoise
Attendez, bougez pas. Elle n'a pas préparé son matériel, la fille. Soit avec le bout inverse du pinceau ou alors avec ces petites choses là de manucure pour faire des tout petits pois. Donc moi je vais faire avec ma baguette et on va faire des petits pois tous les 2 cm. Donc on met la baguette bien droite, bien droite. Hop, et on la relève bien droite. Et on recharge. Moi, je vais recharger tous les 2 pois. Voilà, là, je commence à avoir ma bonne taille. Donc, c'est une question. Vous voyez, comme la peinture, elle est liquide, mais elle n'est pas non plus... trop liquide, du coup ça vous fait des petits pois parfaits. Donc à peu près, hein. D'accord. Ensuite, vous allez placez votre règle à côté, comme ça, et vous faites la même chose, à la même hauteur, à peu près. Donc, hop, 1, 2, 4, 6. Une fois que vous avez fait toute votre feuille, et bien maintenant vous allez mettre des petits pois intercalés entre chaque. Voilà le fond petit pois. Ah, ça rend pas mal quand même, hein, pour un truc fait maison. Donc, eh bien, voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de connaître le petit truc. Allez, on passe au prochain. Alors, pour le dernier petit fond, on va faire un fond ciel. Alors, on va prendre un papier un petit peu plus rigide et on va découper des petits ponts. Les petits ponts, des grands et des petits. J'espère que vous voyez. Donc en voilà un, on va faire un deuxième. Un peu comme ça, viens, on fait les petits ponts. Et en fait, on va s'en servir de pochoir. Donc, celui-ci, vous pouvez faire soit avec la peinture acrylique, soit avec vos encres, pour un effet plus doux. Voilà, j'en ai fait 3, les amis. Donc, ça m'en fait un. Attendez, je vous le coupe droit pour que vous voyez. 1, 2, 3. Donc, comme tout à l'heure, on va prendre des éponges. Donc, voilà,
une, il faut que je la sèche un peu. Et en voilà une autre. On va placer notre pochoir et on va tamponner gentiment. Donc on tamponne 2-3 fois sur le papier pour la décharger un peu et on y va. Donc on fait bien foncer vers le bas et on estompe en s'éloignant quoi. Et voilà notre fond nuage. Voilà mes amis, je vous ai montré comment faire 3 fonds. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis ben, si ça vous a plu, je vous referai prochainement 3 autres fonds. Il suffit que je trouve les idées, donc il me faut un petit peu de temps. Eh bien, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!